Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour sur God of War, Ghost of Sparta. On avait fait une session, à la fois. Ouais, une session. Ça s'est bien passé. Et puis bah voilà quoi. On espérait que ça vaut, c'est ça. 1h40, oui, donc oui, ça, on avait fait qu'une session. Coucou patatarte, t'as des idées de jeu? Load this data, yes. Alors attendez, je suis où? D'accord, je suis là. Je suis ici et je casse la gueule de tout le monde. C'est parfait. C'était vraiment chouette chez Red Bull, hein. Bah écoute, écoute, ça va. C'était vraiment cool chez Red Bull. Et j'avoue que pour les Zeus... Ah oui, d'accord. Pour les ceux qui sont sur YouTube, là, tout ça. Tout le temps cool. Les ceux, bah oui. Les ceux. Et il a présenté des vidéos quand il faisait du catch. Et j'avoue que j'y suis allé vraiment en mode je suis curieux. Et j'ai trouvé ça super cool. J'ai été. Les ceux. C'est UX. C'était vraiment vraiment cool. Ah. Des yeux de Gorgone. Les yeux de Gorgone sont là. Qu'est-ce que ça me fait? Non mais je pourrais bouger ou pas à un moment? Ça commence bien. Oh, ça y est. Arrêtez madame. Ah non mais multiples phases. Non mais arrêtez. Voilà. C'est chiant ce combat en fait. Mais ah non mais il est vraiment chiant ce combat. Derrière. Je voyais rien donc super. Oh merde, je vais mourir. Shit. Ouais, mais là si je me prends une touche, oh, c'est bon.
Ok. Et toi, tu vas comment, patatarte? Ah, il faut que je tabasse ça. Ouais, d'accord. Grimpe! Oh là là, mais. Merde, c'était haut. Oh putain, ça a changé, évidemment. Évidemment, ça a changé. Vu que c'est les épisodes PSP, il faut appuyer sur haut. Il ne faut pas appuyer sur R1. Donc évidemment, je vais me faire avoir. Dernier épisode de... Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, je peux te spoiler. Regardez ce midi. Il est cool. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche notre frère dans celui-là. Un guerrier spartiate ne se laisse jamais mettre dos à terre. Même dans la mort, un spartiate combat avec dignité. Tu es spartiate ou pas? Un peu un connard le frère, non? Oui, Kratos. Ah! C'est pas Kratos qui est par terre? Tu pourras le regarder maintenant. À la file. Plus intéressant qu'un jeu PSP, hein. Ah, de la vie. L'île de Crate. Tu finis les petits trucs. Quel jar. Mais mort, voilà ici. Alors voilà ici. Et maintenant je peux ouvrir la porte. Juste ça en fait, la diff. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord.
dommage. J'ai pas un truc avec l'électricité maintenant ? Si. Oh merde, regardez, il a le truc. Boum. Heureusement que voilà, heureusement que c'est fini. Le bruit était un peu chiant, je trouve. Je peux encore améliorer ? J'avais déjà fait ça, non ? Non ? Parce que le truc d'Hercule, ça me dit quelque chose ? Ça, j'avais dû le faire, mais mourir, et donc du coup, il me l'avait pas validé. Oh là là. Je pense que c'est ça. La petite constipation, évidemment, de Kratos. Voilà. Ça semble rien faire. On va s'occuper de ça. Il a mis où sa grosse clé là ? Il a une très très... C'était quoi le vieil effet graphique nul ? C'était moche hein. Non. Merde. C'est pas ça ? C'est lui qui veut faire. Ah oui, faut que je fasse chauffer ma. Ah c'est ça. Ouais. Mais c'était quoi ? Ah c'est ça. I do remember, c'est bon. Putain, do you remember? Putain, les piou-piou, les pires. Hein. Depuis le début du jeu, je peux vraiment pas les blairer. Hein. Putain, c'est l'enfer. Oh là là, mais. Super les pigeons. Ah bah vas-y. Bah oui, d'accord, super. On va falloir se retaper toutes les animations. Je piche pas. Les autosaves ont lieu avant les trucs. Les animations. Enfin, les séquences là, vidéo. C'est naze. Hein. Pourquoi avant ? Pourquoi pas juste après ? Ah, de piou-piou de merde. Oh là là, eux qui me défoncent, les piou-piou qui me défoncent, on est bien hein. Super. Super, j'ai le temps de rien faire. Non mais j'ai pas le temps d'éviter.
Il a combien? Ces oiseaux de chi là. Tiens l'oiseau. Oh là là, ça va être ouais, super. Ça, là le combat de merde, le combat de merde. Super. Combat de chios. Si j'en ai un deuxième, là en plus je suis mort quoi. J'ai plus de vie là. Ah bah super. Alors soit c'est une cinématique et j'ai du bol, soit c'est un combat, je suis dans la merde. Là y'a rien, tout est cassé. Ça à cause des piou-piou quoi. Ah, il y a de la vie au fond là. De la vie et de la sauvegarde. Mais c'est pas lui. Je sais pas où il est. Pitié, je vous le jure. Je suis à côté. Je suis à côté. Piano. Y'a rien. Voilà. Ah, rien. Ah oui d'accord. Comme dans le premier, on va accoucher une statue alors là où on aurait juste pu on aurait pu la contourner, mais c'est quand même vachement plus drôle de la faire tomber quoi. Merci merci Kratos hein. Toujours dans la finesse hein, évidemment. Yeah.
Dommage. Boum. Un de plus en moins, ou un de moins en plus, c'est comme vous voulez. Bon, ah, il y a un truc là. Ah, faut que je fasse ça. Deux coffres en plus. Ok. Encore un petit yeux de gourgon. Une plume de phénix. Qui joue mal comme ça là? Qui est-ce qui joue mal comme ça? Monseigneur, je savais que vous reviendriez. Je ne vous ai pas trahi. Je n'ai rien dit aux serviteurs de la mort. L'Élysée. L'Élysée. Tu es un Spartiate. Même dans la mort, tu combats avec dignité. Merci, Seigneur Kratos. D'accord. Évidemment, nous, on n'a pas de dignité. Ah non, ouais. Souvent, on n'a pas de dignité. Souvent, on utilise les corps pour les... pour les... Merde. J'y arrive plus. C'est bon. Les énigmes, voilà. Le corps sans vie d'un Spartiate repose à terre et a donné sa vie pour protéger l'entrée de la cité. Le col périlleux des monts Daroania, une des rares routes menant à Sparte. Ces monts accueillent aussi les jeunes guerriers qui sont envoyés pour surmonter leur peur avant de recevoir l'honneur d'être acceptés dans les rangs de la grande armée spartiate. Ça ressemble à une secte, hein. Ça coche toutes les cases de la secte, hein. Ok. Donc je peux monter des trucs là. Je peux monter des trucs, descendre des trucs. Ok. Et là, je peux pousser des trucs. Je suis ravi, Thérèse. Et donc là, j'attends et ça remonte. Ok. À quoi ça me sert ces conneries? Ah. C'est pas ça qu'il fallait faire. Elle a pas compris. Je peux rien faire là, si. Voilà. Je peux le monter. Après je peux le pousser. Après y aller.
Je sais pas à quoi ça me servira, mais d'accord, ça me sert à tout casser. Ok, alors ça c'est cassé, on est très content. Ces pauvres âmes qui donnent leur corps à la science. Weird science. C'est un truc qui se monte ça? Non. Qu'est-ce qu'ils veulent que je foute après là? Attendez, je peux monter là-dessus là? Non? Qu'est-ce que c'est? Assistas. Comment il a glissé, regardez. Hop là. Ah. Hop là. Kratos qui glisse. Bah ouais, mais c'est bien mignon, mais qu'est-ce que j'en fous, moi, après? Faut que j'utilise les briques, là? Non? J'ai rien pigé, hein. J'ai gagné quoi? Ah, hein, les lames d'Athéna, la plus puissance du feu. Je dois avoir l'air con, mais lapin compris. Je peux sauter sur le truc là ou pas? C'était si clair.
C'était si clair comme truc. Ah, c'est une salle cachée ça? Bon. Bon bah ça c'était un secret. J'ai cru que c'était la suite mais non c'était un secret. Ok. Les abîmes de consolation. Mais non, mais faut pas que je me fasse geler, faut pas que je me fasse geler. Si je me fais geler, c'est mort, quoi. Ok, mais c'est mort. T'as deux secondes, hein. Il m'aura fallu deux secondes pour me faire geler. Bravo, bravo mon con. Oh non, 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 voilà. Pourquoi ça les touche pas? Ça va être chouette. Ouh, ça va être chouette. Casse-toi, Kratos. Bien saoulé vous hein. Down, 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 down. Évidemment j'ai vu. À travers. C'est pas bon généralement dans un jeu vidéo quand on voit à travers le sol. Encore ! Ah ! Oh, c'est quoi ça ? Super ! Bah ouais, bah je suis ravi de te rencontrer.
Ok, bon, faut rester concentré, hein. Y a beaucoup de mobs différents dans celui-là, hein, je trouve. J'ai l'impression de jamais revoir les mêmes mobs. Ok, donc ça je peux reprendre. Ça, ça me donne quoi? Ça c'est pour monter là-haut? J'ai l'impression. Et... Yori, ouais. Merde. Faut refaire un double saut derrière. C'est pas terrible. Ah oui, elle est là la corde. Non, je la voyais tellement pas ici. Attendez. Il y a un truc là. C'est là d'où qu'il fallait aller. Pour fonctionner, cette roue a besoin d'un engrenage. J'en ai pas un engrenage. J'avais pas un truc d'engrenage maintenant. Ou alors je l'ai donné, donc du coup ça marche plus. Il y avait un boss là. Qui m'avait filé un engrenage. Voyez, voilà. Ah oui, bah du coup il est là pour me péter la gueule. Donne-moi ça! Donne-moi ça! Allez hop! Je me le donne! C'est à moi! Voilà, effectivement, donc. Les engrenages, on les a pas tout le temps. C'est une fois qu'on les a utilisés, c'est mort. Là.
passer par là ou pas? A priori non. Ah oui d'accord, je vois pas où je peux passer. Faut aller là, faut aller là, faut aller là. Hop, après on descend. On arrive au plafond. Voilà. Un petit coffre, un tout petit peu caché. Un tout petit peu caché, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, on refait le plein. Ensuite, on sauvegarde. Ensuite, on plonge. On va évidemment à l'opposé de là où je veux nous emmener parce que, comme d'hab, dans le jeu, il y a toujours des trucs cachés juste derrière. J'ai combien d'orbes là? 8005. Ah, je vais pouvoir encore augmenter bientôt. Ah, quoi de faire ça? D'accord, ok. C'est chelou. Attendez, j'ai un truc ici. Et j'ai un truc là aussi. Ah voilà. Est-ce qu'il y a un truc derrière? La grande question, c'est est-ce qu'il y a un truc derrière? Casse-toi, bravo, bravo. Mais ça s'arrête jamais. Ah non, je suis full life. Full life ou full mana quoi, donc ça sert à rien quoi. Ces endroits où il y a de la mana et de la vie partout là. La cour. Des orbes aussi. Zwang, zwang. Je suis blindé. Coucou Silent. C'était chouette chez Red Bull hein. Toi aussi t'as pas bossé.
Erini. Meg ? La fille de Thanatos. Le dieu de la mort. C'est Meg ? La douleur personnifiée. Le mal incarné. Comme les ongles. Pareil. Tu ne pourras pas m'arrêter. Rien ne le peut. Fille de Thanatos. Voilà, vous allez mieux savoir que moi là. Top pas mal. Putain, ça fait mal ça. Ça se passe bien. Ah, j'ai joué avec ça moi. Non non non, casse-toi. Mais Kratos, reste pas là-dedans. C'est pas Meg finalement. Finalement c'est plus Meg. Non non, mais je me mets dedans à chaque fois. Je me mets dedans à chaque fois, je me mets dedans. Je viens de lui arracher les deux ailes. Ah, connard. Alors, j'espère qu'il n'y a pas tout à refaire quoi. C'est ce que j'ai entendu, mais... Oui oui, c'était marqué. Oui, c'était dit fille de Thanatos. Mais Et reviens là toi. C'est une phase de... Merde. C'est une phase de QTE. Mais oui, je peux pas être sur la main sur le sur la manette et en même temps sur la GoXLR. Sur la... le Stream Deck. C'est pas possible. Je dois faire les deux. Faut faire 12 trucs. Je m'envole. Faut aller de l'autre côté. Faut aller de l'autre côté. Ah, on reprend tout. Ah.
Boum. Est-ce qu'il y a du brouillard constant dans le jeu? Ou tes lunettes sont sales? Non, bah c'est ça reste de la PSP hein, donc enfin à l'origine c'est de la PSP, donc je pense qu'ils ont gardé les J'ai pas trop compris là, il se prenait des trucs invisibles, je sais pas pourquoi. Bon, y a un truc à faire évidemment. Je ne sais pas quoi. Ce combat hein. Mais c'est clair que de les faire dans l'ordre de sortie, celui-là passé après le God of War 3 remaster PS4, effectivement c'est pas ouf. En termes graphiques, forcément, c'est pas à la hauteur, quoi. Fléau d'Erini, cet artefact peut déchaîner un pouvoir que nul mortel ni eux devrait maîtriser. C'est vague quand même, non? C'est vague. Bonjour, vous avez obtenu un objet qui peut faire des trucs. Merci. Merci, vraiment. Ça m'aide beaucoup, hein. Je les vois pas, ils sont hors champ. Cette ambiance là, c'est pas bien là. C'est 17 000. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Pas tout de suite quoi. Donc ouais, déjà le jeu est pas super beau déjà par rapport évidemment à God of War 3 Remaster. Mais en plus derrière, ouais, t'as sûrement la compression du stream et tout, donc
Ah, me v'là Sparte. Me v'là chez WAM. Parler aux gens. Hey, salut. Tu me connais? Coucou Digicode, tu me reconnais? Non. C'est à dit toi? Je veux aller là moi. Je suis Kratos. Ils veulent pas. Hein. Acclamez tous le dieu de la guerre. Ça fait cramer du carbone comme ça. Hein. Puis après, ça va s'étonner dans 2000 ans que c'est la merde. Coup de bol quoi. Coup de bol, il y avait un coffre plein d'orbes en pleine ville. Et personne n'avait pensé à l'ouvrir. Vous semblez fatigué, soldat. On va vous faire oublier vos petits tracas, monseigneur. Vous joindrez-vous à nous? Non. Seigneur Kratos, venez jouer avec nous. Non, non. Vous semblez fatigué, soldat. Mais on les entend encore, quoi. Elles sont à 12 km, on les entend encore, quoi. Juste non, quoi. Bon steak. Elle joue quoi elle comme instrument? Ok, donc on apprend à des gamins à jouer à la guerre. Une go accélère aussi, les gars. Il y a les gamins, ils ont une go accélère aussi, ils ont full reverb. Non, bah ça veut pas. Hein. Moi je veux rentrer là. Ça pour être au garde à vous, il y a du monde, hein, mais pour m'ouvrir les portes, il n'y a plus personne. Hein. Ah, mais les gamins, ils ont de la reverb parce que c'est un souvenir. Ah, c'est bien fait. Ah, faut que je... Ah, je joue, là. Non, mon frère. Tu gagneras pas cette fois. C'est tout ce que tu peux. Ah, je peux le taunter. Dis donc, le petit connard, il m'a mis du sable dans les yeux. Après la grande guerre contre les titans, l'oracle prédit la chute des dieux de l'Olympe et la destruction de leur demeure. Elle anticipe qu'elle ne sera pas provoquée par les mains des titans, pourtant ivre de vengeance, mais par un simple mortel.
Un soldat marqué. Quiconque maîtrisera ce guerrier marqué contrôlera le destin de l'Olympe. C'est l'air de la soupe. Où êtes-vous? Ah merde, le truc nul quoi. Le truc qui termine la cinématique de manière nulle quoi. Je te retrouverai. Mais ouais, c'est si peu crédible, mais carrément. Non mais il y a littéralement tout le bled. Il y a tout le bled qui est à feu et à sang. Et il y a maman. Les garçons, il y a la soupe. Genre, elle a rien vu. Genre, il y avait un peu de boucan dehors, mais elle pensait que c'était les gars qui faisaient les cons, quoi. Non, mais nickel, hein. Non, mais crédible. Crédible, 8000%. Je vous ai fait des croque-monsieur ce soir. Ah mais merde, c'est là où je... D'accord, je pensais pas que j'étais là. J'étais en train de faire demi-tour comme un con. Je pensais pas que la caméra elle avait tourné. Alors si vous vous posiez la question, eh bien on peut voir que Kratos a un slip sous sa jupette. Hein. C'est chiant, là je peux pas courir, hein. Là je suis au max, hein. J'essaie d'aller vite mais ça marche pas. Hein. Ouais, d'accord, ils sont vénères. Enchaînage là. Bon bah lui m'a enchaîné aussi mais...
Ok, donc là il y a un truc qui est ouvert. Dans le fond il y a quoi? Ah, évidemment le grand cliché. Le grand cliché du mec qui est emprisonné et qui dit qu'il est innocent. Of course. Le seigneur Arès me sourit. Je suis enfin libre. Les insoumis, c'est la. C'était Adrien Quatennens. Est-ce que vous avez reconnu Adrien Quatennens? Alors ça, fallait le savoir hein, par contre. Hein. Ok, là je peux monter, mais là je peux me soigner. Waouh. C'était assez évident qu'il y aurait des coffres. Bête là, j'en doutais un peu. Ouais, mais il est mort. Aïe, il me fait mal ce con. Coucou Spanier. Le seigneur Arès est le vrai dieu de la guerre.
Tiens! Il me rattrapera jamais! Combien vous pariez que je le rattrape juste à la prochaine porte? Combien vous pariez que là, à la prochaine porte, il est rattrapé déjà? Coucou! Coucou! Eh, hey, regarde! Je te préviens! Ouais, bah tiens! Hop. Tiens! Tiens, rattrapé! Oh merde! Oh, je l'ai aidé à s'enfuir! Il a l'air vénère Kratos quand même. Là, il m'a envoyé un gros chat sur la tête. Ah, le mec est résistant quand même, hein, parce qu'il est encore en vie. Hein. Oh, il fait ça tout doucement. Ah, cool. Gloire à Dieu. Il est au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Eh hey, salut. C'est mes fans, c'est comme dans Hades. Je me le trimballe quoi. Pourquoi je me le trimballe là, le machin? Ah oui d'accord. Dab. Ça a bien monté là avec le petit chat là. Le petit chat à qui on a cassé la gueule là, ça a bien fait monter mes orbes. Très cool. Montagne de Laconie, c'est là que ça vient le Laconique. Ça vient de là. Encore un yeux de gorgon, c'est parfait. C'est juste Kratos, il est tout le temps énervé, j'y peux rien. Hop. Alors. Petit coffre. Faut pas que j'oublie. 17 500. Alors, faut que je casse les planches de bois évidemment. Oh, y a les relous quoi. Oui, non, il y a le mur là. Non? Ah non, c'est... Okay, d'accord, voilà. Les parties les plus intéressantes du jeu. Les phases de grimpette. Vraiment très très intéressant. J'ai appuyé, je vous promets, j'ai appuyé.
Promis, j'appuie. Hein. Ben, j'ai pas intérêt à me planter en le refaisant. Hein. C'est juste méga chiant, quoi. Alors, je fais ça. Voilà. Oh là là, est-ce qu'il y aurait pas un combat ici? Oh là là, c'est fou, il y a un combat. Évidemment. Évidemment. Ok, ça commence bien. Ok. Non. Relou en fait. Vas-y, let's go. Putain mais, genre j'avais une demi-seconde quoi. Voilà, merci. Il est pas mort lui. Ça va alors. Merde, j'ai pas mes 17500. Oh là 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 là, je veux le verre moi. Merci. J'avais pas vu que c'était un coffre qui changeait. Hop 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 hop. Non 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 non. Descends, merci. Je veux mes orbes moi. Toujours pas. Porte de bique. Voilà, moi je vais aller là moi. Cassé. Tu vas arrêter tout de suite, non? Évidemment. Donc là, eux, je vais leur casser la gueule, c'est ça, hein? Ça.
Oui, j'ai 18 000. Trop bien. Du coup, ça c'est bon. Je pense que ça va être le dernier niveau. Hein. Vu le nombre d'or que ça me coûte. Voilà. Il est au niveau max, on est très content. Ah, mais il me reste tellement de trucs à avoir en fait. Ok. Le temple d'Arès. Tirez ! Toi, va plus loin ! Monseigneur, nous en viendrons vite à bout et nous érigerons une statue à votre gloire. Allez les gars, tirez maintenant ! Tiens, ils vont se le foutre sur la gueule ! Ils vont se le foutre sur la gueule ! Mais ils sont cons ! Gloire au Seigneur Kratos ! Le dieu de la guerre! Gloire au Seigneur! Mais ils sont cons! Monseigneur, j'ai quelque chose pour vous. Je reviens. C'est Ragnarok? Bah, ça se voit qu'à niveau graphique, sur PS4 Pro. C'est Ragnarok sur PS4 Pro. C'est classe, non? Ils ont fait. Ils ont quand même fait un bon up graphique par rapport à God of War 2018. Hein. Je trouve. Affronte tes démons et ton sort sera scellé. Là, bah ouais, la next gen quoi. Next gen, ça claque hein. Ça claque. Je trouve aussi hein. Par contre, j'ai pas vu Thor encore. Kratos se tient dans le temple d'Arès, un lieu qui lui rappelle tristement ce qu'il est devenu. Le fantôme de Sparte, le tueur de dieux, et celui-là même qu'il haïssait autrefois, le dieu de la guerre. Comment ça va, Charlize ? Les Spartiates invoquaient souvent Arès en partant au combat. Les sacrifices furent commis en son nom pour solliciter sa bénédiction. Les prisonniers de guerre de Sparte étaient choisis dans ce but précis. Quand Kratos le remplaça en tant que dieu de la guerre, les Spartiates, sauf une poignée de fidèles d'Arès, témoignèrent à celui qui voyait comme l'un des leurs une entière dévotion. Ouais. Apéro après, comme tout le temps en fait, hein. Non, ça a été... ouais, le boulot, ça a été... la journée, ça a été... La journée d'aujourd'hui s'est passée mieux que la soirée d'hier soir. Ah, de la vie, de la vie, de la vie. Ah, j'ai full life. Ça y est, je suis full life. Les copains me disparaissent quand je dis je joue avec les copains. Voilà, la vie de Charlize, moitié apéro et moitié jeu vidéo. Quelle est la réputation ?
se fait casser la gueule par un gamin. Oh, il est bon ce petit con. Il souffre à cause de toi. Il a été torturé par ta faute. Et ben on a compris, il s'en veut quoi. Bon voilà, oh là là. Oh là là. Genre, mais faut... Il a été torturé par ta faute. Tu te bats comme une petite fille. Ah ouais, mais alors les réflexions sexistes, par contre, tu peux te les garder, hein. En fait... Et j'appuie sur le bon bouton, ça marche jamais. Le carré ça marche jamais. Ouais, c'est ça ouais. Tu pouvais fermer ta gueule. Tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout. Ah, le carré ça marche jamais hein. On s'emmerde non. Tu avais peur. Oh, faut que j'avance non. Je fasse quelque chose. Ah regardez, je peux viser. T'es torturé par ta faute. Je peux viser là où je lance. Ah c'est long. Ouais je suis un lâche ouais, ça ouais tout ça. Je peux envoyer plus ou moins haut. A priori. Ouais je crois que t'es un emmerdeur moi puis finalement j'avais raison quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu parles d'un guerrier. Tu es un lâche. On a déjà appuyé sur bas maintenant. Non, ça n'a pas marché là. Déjà appuyé sur bas là. Ah mais faut que j'appuie où c'est bleu. Tu les as laissés emmener tes mots. Ah je crois que j'ai compris. Regardez là, hop c'est en bas. Je balance en bas. Là, c'est en bas, je balance en bas. Non. Il a été torturé par ta faute. Ouais. T'as déjà dit. Ah non, le bleu en fait, c'est là où je vais envoyer. Ah mais attendez, il y a gauche et droite peut-être aussi. Attendez, il y a peut-être gauche et droite. Merde, loupède. Ah ouais, il y a gauche et droite aussi. D'accord, ok. Ouais j'ai compris, c'est bon j'ai compris. A droite maintenant. Voyez c'est mieux. Boum. Allez tiens les souvenirs traumatisants. Voilà ce que j'en fais des souvenirs traumatisants moi. C'est les séances de psy de Kratos. Tiens, ça c'est un souvenir. Blam, blam. Non mais pas déconner hein. Les PTSD. Blam, blam, allez. C'est bien hein. Le crâne de Kerr. Oh. Je croyais que je pouvais pas le choper. Ils avaient dit tu pourras jamais l'attraper. Kratos sait qu'il doit regagner l'Atlantide. La cité engloutie. Le crâne des Bretons là. Il trouvera l'entrée du domaine de la mort et le frère qu'il a abandonné. À toi le frère que je ai abandonné. Merde, c'est du coup c'est chiant chanté quoi. Mais normalement c'est pas ça les paroles quoi. Me dites pas qu'ils vont me faire refaire tout le chemin à l'envers hein, dans le jeu. Hein.
Moi ça je veux pas hein. Ça serait vraiment de la merde. J'espère qu'il va y avoir une ellipse là. Petite ellipse qui me dit oh regarde. Genre d'accord ok. Genre ils ont bougé. Genre les mecs ils terminaient. Les mecs ils terminaient à 17h pile. Et donc ils ont fait tomber la. Ils ont fait tomber la, la statue de Arès. Après ils l'ont mise en travers, histoire qu'on puisse plus passer. Et après ils sont barrés. C'était la fin de leur journée. À quand l'émission N'oubliez pas les paroles avec Tony Hop sur Twitch avec on a invité tous les copains. Pour mais alors déjà. Déjà, on a déjà fait du karaoké avec Avorpal en live. Et de deux, malheureusement, Twitch Things s'est arrêté. Malheureusement. Mais sinon, karaoké toutes les semaines, hein. J'ai veillé sur elles comme si elles étaient miennes. Les armes de Sparte, Kratos, général, porteur des armoiries de Sparte. Tu m'as bien servi. Il va le buter, non? Merci, monseigneur. Ah non. J'ai pas envie de me battre avec ça, moi. Comment on change? Voilà. Non. Arrête! D'accord, c'est ça. Oh, j'y vais. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, non? Je vais y arriver en fait avec ça. Je pense que c'est un tuto pour que j'apprenne à utiliser les trucs de Sparte là, mais finalement on va le faire ancien. Hein. Point de sauvegarde quoi. Petit pas mignon. Il est pas mignon le petit point de sauvegarde. Mais il est où le point de sauvegarde? Hop là. Allez hop, on va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause. Des bisous YouTube.